La mayonnaise prend, et là aussi j'ai suffisamment d'expérience pour voir à quel rythme ça peut prendre. Comme je vous dis, en quelques mois, on arrive à faire des choses que d'autres programmes ont mis des années, ce qui est normal puisqu'ils avaient commencé plus tôt. Mais il y a un bel engagement des différents partenaires, et encore une fois, voilà, on arrive sur une étape clé pour faire en sorte que cet engagement, qu'on dépasse le cadre des partenaires fondateurs et que chacun puisse prendre ses responsabilités aussi. C'est le bon moment. Voilà, il faut agir maintenant. On veut changer plusieurs choses. On a trois enjeux. Deux enjeux portent sur l'image. On a une image du territoire qui est très hétérogène, qui est très différente entre une ville comme Marseille, Aix-en-Provence, Cassis ou Martigues. Donc, faire territoire, avoir quand même dans cette hétérogénéité une homogénéité au travers d'une ambition commune, au travers d'un récit commun. Les acteurs des grandes mutations de notre société sont ici, chez eux. Je suis Aix, Marseille, Provence. Le territoire méditerranéen des grandes transitions d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors la volonté, c'est d'avoir une fierté de lutter contre notamment le Marseille bashing. Oui, tout à fait, oui. Alors lutter, oui, on peut dire lutter. Je pense que c'est le bon terme. Il y a un combat, il y a une révolte à avoir en disant, bon, ok, arrêtez. Voilà. Un certain nombre de médias nationaux parlent de nous uniquement en des termes qui ne sont pas du tout le reflet de ce territoire. Il est temps que ça cesse. Et pour il est temps que ça cesse, comme on n'a pas de pouvoir d'injonction vis-à-vis de ces médias, simplement, nous, on a envie aussi de vous montrer une autre facette de ce territoire, sa pluralité, sa diversité et une autre facette d'une ville comme Marseille. J'espérais qu'à un moment, la ville rentre. J'espère, je suis un homme d'espoir et je suis convaincu qu'on peut y arriver avec discernement, sagesse et de faire en sorte que cet intérêt général dépasse l'intérêt potentiellement individuel.